DJ Stéphane Bala Mwangi Congo ya Lumumba Congo Ta fachi beton Tangwe koki yo 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 Tangwango yango yo ye koki Tolanda kango Papa Stéphane Bala Mwangi Oye oh, ye Merci Nandenge Kaputani Kwaleno pour tout sur la Makamwa Congo Mais on a un balanzi, vous voyez que RDC est allé au Canada, tout le monde pour le Belaming. Congo est allé au Moka, il y a un coco. Moka, tout le monde est allé au Moka, tout le monde est toujours des singes pour le Belaming. Précisément là, je suis en Tamba, dans ma chambre. Raison pour laquelle, pour mon nom, pour le vendredi, mon bimba, je n'étais pas sur nos antennes. Dans un Tamba, et pas y'a puis Nayaki. Au temps la commune, dans mon Nkamba, Jérusalem, Benza, na Congo, Congo central, dans mon Nkamba, Nkamba Kitoko. Au sentir peut-être que Mboka, Batonga et Loko, dans ma canisine, sont ensemble. Là, je suis logé dans une très belle chambre, en Nkamba, chambre sophistiquée. Je ne voudrais pas montrer tout ça puisque ça ne vaut pas la peine. Chers compatriotes, mon gars, tu condamné, et le roi des mon gars, tu condamné, et le roi Mibale, Wazalendo, les compatriotes font ce que je peux dire aujourd'hui, éveil patriotique, la patrie d'abord, et Wazalendo, papi si bisounou son devoir. Oui. Pourquoi pour est si Wazalendo et mon ami? Pourquoi pour est-ce Batounos va s'appeler Nango? Et on peut qualifier ça à Ning. L'objet que tu causes à la peine à piège en source, tout est en dégainé. Chers compatriotes, ma cabre s'appelle. Avant d'abandonner Wazalendo, je préfère commencer avec Mwanga Tchouchou. Je suis très heureux de voir la haute cour militaire condamner Mwanga Tchouchou dans la peine capitale. Bakon Bazol reproché Makamu. Il y a port, il y a ma arme de guerre. Bazol reproché. Participation d'un mouvement insurrectionnel. Bazo reproché que le Congo déstabilisé l'État congolais. Batu Oyo, Bayebi dossier à Mangatouchou na Ibande, l'État n'a pas d'accord pour le Belayango. Moukolo Bayan a biloko Oyo Mangatouchou a zaki n'a pas coffre. Moukolo Mindou qui est biman en d'accord à Mangatouchou. J'avais dit que Mwanga Tchouchou sera condamné. Bah, oh, bah, il y a une vidéo, il y a un katapé, il y a un katapé, il y a un réseau social. Bah, tu vois, on a quand même une capacité, il y a une analyse, une capacité, il y a comment on a aussi. Oui. Moi, bah, moi, j'avais déjà dit que Mwanga Tchouchou sera condamné. Moi, je l'avais déjà dit. Oui, j'avais dit que Mwanga Tchouchou sera condamné. Et aujourd'hui, lorsque Mwanga Tchouchou est condamné, je suis très heureux. Je me dis, effectivement, na kota kana bozindo ya banalise, na makamoli nzuri kana na mboka, sans complaisance, je vous dis, oui, sans complaisance. Mwanga Tchouchou aloba ki na pesa ye autorisation ya port d'armes. Mais Nanda, on a besoin de coûter des armes de guerre. L'autorisation de port d'armes ne signifie pas coûter des armes de guerre. Souvent, c'est comme moi, mon qui a manqué. Bon, et ça, pour qu'on se sauve dans un cas et un biscade. C'est comme quand on a des armes de guerre, ni intention ou source. Parce que coûter na société à Mwanga Tchouchou, Mindou qui va condamner.
voyez, Mendouki, Bakunda, Naloba, ah, Mendouki, mon Achuchu s'est arrêté. Il avait un nombre important dans la milice, Oyo, à recrutant, na Rwanda, aya na Bango, na Congo, et tant que Baya na Bango, na Congo, Moussa na Bango, Ezaïe, Koboma. Et dans son entreprise là, aucun service de l'État a mandat pour chaman pour le coup. Tout ça, mon gars, tu avais sourdoyé les agents du service de l'État, avaient sourdoyé tout le monde. Et il était le tout puissant. Le fait de condamner Mwanga Tchoutchou aujourd'hui, c'est une guerre économique gagnée contre le Rwanda. Le fait de condamner Mwanga Tchoutchou aujourd'hui, c'est-à-dire nous venons de remporter la bataille et la guerre économique contre le Rwanda. Mwanga Tchoutchou était le cerveau en matière, il y a ma coltan dans mon cannabis pur. Azopé sa kagame, kagame azoté gabazo vimba. Mwanga Tchoutchou a une résidence à Kigali. Mwanga Tchoutchou était plus cité dans les investissements à Kigali. Mwanga Tchoutchou s'occupait plus de la jeunesse du Rwanda. Mwanga Tchoutchou était plus, avait plus le cœur au Rwanda. Bandeko, régime le président Tshisekedi, ton président Tshisekedi, c'est le meilleur. Je vous dis, c'est le meilleur. Mwanga Tchoutchou, c'est le tout puissant. Sous le régime de Kabila, je dis Mwanga Tchoutchou, c'est le tout puissant. Bah, si ma ka Mwanga Tchoutchou te, Mwanga Tchoutchou te, ou que si ma Mwanga Tchoutchou ko bata denke, nini, na cadre de la CNDP et consort, c'est Mwanga Tchoutchou qui avait signé, le patron, il y a mafia, moto en di maba Rwanda, maba maba Congolais, moto en di maba, komi sa biso biloko, c'est Mwanga Tchoutchou. Et aujourd'hui, le peuple congolais est honoré. Makila ya basi ya Congo. Makila ya bana ya Congo. Makila ya ba papa ya Congo. Oyo ba boma, ba massacra par M23. Ensemble avec Mwanga Tchoutchou, ezali lelo honoré par la justice. Voilà une justice vraie. Voilà une justice dans laquelle le peuple se retrouve. Quelqu'un qui nous a pillés. Après avoir pillé, étant pion de Kagame, Mwanga Tchoutchou avait également les intentions, les ambitions, et encore comme président de la République démocratique du Congo. Poubelle Kaka. Mwanga Tchoutchou. Oui, Mwanga Tchoutchou avait également ces intentions-là. Il voulait devenir président de la République démocratique du Congo, puisqu'il avait déjà beaucoup d'argent. Et à moins qu'il faut qu'on soit président du Congo pour avoir la dénaligne. Bon, ce sont des choses aujourd'hui. Et puis c'est mon casse. Puis je me dis, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, puisque tout souffre mec. Tout souffre mec. Sur le plan économique, le Rwanda est asphyxié totalement. Kagame pensait que libérer Mwanga Tchoutchou. Sarkozy était venu ici comme avocat à Mwanga Tchoutchou. À contre le président, président à Mwanga Tchoutchou, président Bilon. Et ça n'a pas de gagner Mwanga Tchoutchou. Justice de nous gagner Mwanga Tchoutchou. Et Mwanga Tchoutchou fait ça. Bon, mon voilà. Ça, c'est l'état de droit instauré par le président Tshisekedi, le candidat unique à la présidentielle de 2023. Le président Tshisekedi, je dis bien, le candidat unique à la présidentielle de 2023. Tshisekedi, c'est le meilleur.
tu sais qu'il dit, il est vrai. Que Dieu bénisse mon président. Là, je suis en train de bénir mon président en direct de la Terre Sainte. Il y a un cap. Dans ma part, mon président, pour être président, à ce que les on dit matin. Dans ma part, mon président, ouais, il est le vrai président. Pourquoi Makambo est salé sous-président Tshisekedi? C'est une question à laquelle je vais répondre malheureusement qu'on a un deuxième sujet. Vous comprenez? Ouais. L'État congolais récupère maintenant l'entreprise et comme le Makambo est fort de guerre, et Tobunda, Kagame d'ici quand ça se passe. Économiquement, Kagame est asphyxié et là, Kagame risque maintenant de m'aimer la crise économique dans son pays et il aura pour conséquence un soulèvement à peuple rwandais. Il est temps de vous libérer, peuple rwandais. Vous êtes nos frères et sœurs. Il est maintenant temps de vous libérer. Oui, il est temps de vous libérer. Puisque là, vous avez un homme où il a créé une bateau rébellé avec les voisins. Aujourd'hui, le peuple rwandais a mal vu à cause uniquement de Kagame. C'est comme dans notre pays, le peuple rwandais tellement mal vu. Nanouana rwandais, ah, rwandais. Or, le peuple rwandais en soi n'a pas de problème contre le peuple congolais. Mais Kagame, avec sa politique tyrannique, il vient tuer au Congo. Et lorsqu'il tue au Congo comme ça, le peuple congolais a montré que c'est les Rwandais qui viennent nous tuer. Or, en réalité, les Rwandais n'ont pas de problème avec Kagame, mais ne fait que recruter les gens pour tuer au Congo. Et là, asphyxié par la communauté internationale sur le plan militaire, je fais allusion aux États-Unis d'Amérique. Kagame est asphyxié aujourd'hui sur le plan économique par Tshisekedi. Plus question de coopération économique, plus question de négociation, plus question. Kagame là est par terre. Bakani, côté économique, tout il sous son terrain, à Tchemoutoumakasi. Plus de 21 villages récupérés par les Ouazalènes, les compatriotes congolais. Parlez plus trop, c'est trop. Est-ce que le Kobasali va saler ma bête? Non, pas saler ma bête. Parlez plus trop, c'est trop. Bataille, bah étudier. Oh, il est plus bac. Pour plus sur le bac, il est fâché. Sous scénario, il y a un peu de kinya la congolaise, tout le monde. Mais est assez à couper sa quignette pour la nuit. Puisque ça va tous, ça va être un ami. Ou au Kenyatta, selon les informations de notre possession, a été la carré minier dans l'Est et la RDC. Le coup on a dans la paix, a été la carré minier dans l'Est et la RDC. Pas tout le monde qui va le mettre, Stéphane, j'ai dit oui. Et c'est tout le monde qui parle ce même langage. Le président Yemoko, il a interpellé un général kenyan qui est dans le Congo. Vous êtes venu pour vous battre, défendre le Congo, et non pour s'amuser. Tout le monde a dit tout le monde, force régionale et Yemoko bien dans la Mongoule. Mais parce qu'il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Et tant que tu es pour à te comprendre, tu te dis non, 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 non. Ça, ça ne peut pas se passer comme ça. N'en coussé. Ou à salaire dans l'hôpital. Ou à salaire dans l'hôpital. Ou à président d'Abissou. Bissou, tu es tout bien. Président, il est trop diplomate. Président, il peut se faire laisser maintenant que c'est bien. Et Bissou, à salaire dans l'hôpital. Ce sont des jeunes patriotes. Bah, ça les rébellions.
basali une liste. À l'est du pays, la plupart de nos villages, ils ont la bagie au bas de Mandoki. Ouais. Pendant qu'on battait là-bas, on bibouille là-bas. Comme ils battent là, puisque si quand ils bêlent, n'importe quelle personne la police les attend. Ils ont bilé au Kabila, ça n'a pas la police t, acha armée t, ils ont la capote le bongo. Donc on a exposé le peuple congolais au danger. Ça c'est Kabila. Vous voyez? Et en faisant tout ça, ma canisaïka moko. Congo est comme un bordeur. Et le quatinate. Voici le malobité. Bah j'aime, hein? Malobité. Et si maté, te rebond. Basé Bélé Nungi Kolekate. Babundi Makasi. Plus de 21. Le village va boutoli. Zikisi. Bomi M23. M23 qui était replié. M23 en fuite. Ouazalendo en puissance. En feu. Qu'est-ce qui justifie cette performance? Il y a beaucoup de points. Un, il s'agit de la guérilla. Le système est tout le monde, ou à Zalène de la chaîne, ou à la Zamba tout le monde, il y a bien beau. Il y a une montagne, il y a une montagne, il y a une montagne, la guérilla. Oui, il y a une montagne. Et il y a Ça, c'est ce que je comprends. Quatrième point. On retrouve la trahison exacte. Mandoki, on a besoin de son wapi. Ma force et autodéfense. Est-ce que ma coubalou la tissékéti? Ma coussin la paix, dialogue. Ma coussin la paix, gouvernement. Jusqu'à présent. Moi, si j'étais le chef de l'État, j'allais le recevoir. Il ne s'agit pas d'une milice, puisque M23 le baquet, le gouvernement congolais a mis en place sa milice et les mercenaires, non? Il ne s'agit pas d'une milice ni moins de mercenariat. Bah congolais, ma mongo. Et ma gambo, il s'agit d'un temps, enfin, qui se dit, facilement, oui. Bah toi, l'élite, trahison, t'es. N'a pas mon Kabila, tout ça, qui est sauté. Tout ça, qui n'a pas Kabila, n'a pas tout naïe. N'est-ce pas congolais? Alors, Kabila n'a pas tout naïe, on a pour ça partout les moyens pour nous tuer. Et, tu crois que je peux s'en sortir? Bokine Tongo, mais nous, quand c'est que tu as le plan, la mission est bien, mais le plan national, Kabila, c'est que c'est un coup. Bakoye, Bokan, Bango, Boye, Bazan, la munition autant, la capacité autant, il y a Boye. Beaucoup de gens qui ont été neutralisés, ils ont été neutralisés. Et pourquoi ils ont été neutralisés? Congolais, 50%. Mais Kabila est Rwandais, 100%. Mamadou frappé le Rwanda. Et Kabila a laissé le Mamadou frappé le Rwanda. Il y a un peu de temps.
Il était aussi très heureux.
Mais suivez quand même Moussa Lakoudou et Salem Magana Sandoa. C'était un reportage signé Madame Angèle. Ok? Réalisé par Olivier. Le filmage, c'est Elie Ntumba. Alors, les gens, parce que ça, Moussa Lakoudou Bangoa, moi je dis fils, puisqu'il s'agit de la princesse Adèle Kaïdamaïna, nous avons. Vont parler aussi de ça autrement. Mais nous étions tous sur terrain. Comme Massali Koumoussala, malin, je me suis dit, tout on aurait payé un mot, et pour toi comprendre, dis-moi, soeur, enfin, il y a Fachi Beton, Nabat Oyo, Apuna, la princesse Adèle Kaïdamaï, les Banga, Moussali Nanzan, les Pézala Solo, Pézou Sala Moussala, dans les Miemianiensou. Na maïla ni on sort bien la fierté à Kitok. Suivons cet élément, on se retrouve prochainement. Voici à quoi ressemblait l'église kimbangiste de Sandoa construite il y a plusieurs années. Voilà à quoi elle ressemble de nos jours après que la princesse Adèle Kaïdamaïna ait décidé, en âme et conscience, selon la vision divine, de doter la cité de Sandoa d'une nouvelle église kimbanguiste. Ministre d'État en charge du portefeuille et remis les instruments à l'église kimbanguiste et dont des Jupiter, du tuba, trombone, trompette, du cor alto et de caisse claire. S'en est suivi un culte d'action des grâces où elle a procédé à l'inauguration de cette église. À part Sandoa, d'autres chorales ont bénéficié des instruments de la part de la princesse de Mwachi Sengi Entendé, et Kasaji, Chimbalanga et Kanjink. Kwani siku ingine atukumbuke tena mwiali. Ni furaha kwetu, haina njoo mara kwanza, mara kwa mara, mama anaendelea kutusaidia. Kama ikwa yanafika mwini hivyo ni grasi yake, tunamushia kisanti na Mungu endelee kumuzidishia mabaraka endelee kumbele. Nga sepeli makasi pona makambo mama azosa la biso, toza fier moko makasi na corona biso. Tunashukuru sana
Tunashukuru sana Mungu endelea kumurudishia na kumjalia mama kwa kitendo kila anaendelea kututendea. Yeye ni mama analakaka na kutimiza. Maana yake Mungu endelee kumjalia, endelee kumupa akili siku ijayo na ataweza kutumalizia yote. Na tunarudisha asante munjina ya paroisi yetu. Ambiance festive sans précédent a élu domicile à l'église kimbanguiste du territoire de Sandoa à l'occasion de l'inauguration d'un des plus grands temples de cette confession religieuse dans la province du Lualaba. L'officiant du jour a consacré sa prédication sur ces versets bibliques tirés de l'Ancien Testament, à savoir Psaume 112, 4, 9 à 10, Exode 20, 1 à 17 et 1 Roi 8, 17, 21. Ces écritures saintes qui révèlent l'accomplissement de la promesse de David faite à l'Éternel de lui bâtir une maison qui fut concrétisée par le roi Salomon, son fils, en est une image illustrative dans la vraie vie de la ministre d'État en charge du portefeuille. Vision de loin. Il y a une époque, il a promis que c'est ma femme à ma case. Yuwa iko yenye kutoka mkainda inaingia paka mule. Tunasimamia hapa kwa sababu furaha niko nayo, mkinyachie wakati nitaweza kukatisha. Lors de son discours prononcé sur l'autel, le numéro 1 des entreprises publiques du reste fille du terroir révèle avoir accompli la vision de sa grand-mère, ancienne présidente de la communauté des mamans Mouilou de Sandoa. Elle était une dame très engagée avec un cœur rempli d'amour et de charité. C'est d'elle que je tire mon nom de Kainda. Elle parcourait de longues distances pour motiver les mamans Mouilou pendant qu'elle était encore forte et Dieu l'avait tellement bénie. Agnès Kainda Ufwan, maman présidente d'Afki honoraire. Elle quoi, mon amour, que l'angoufou. Elle a fait une tournée. Sans moi, Nantinga, sans moi, l'amoukoulou. Atatoka hapa anafika timu fulo. Anatoka hapa anenda saa kundundu kwa ndo mkulu. Anatoka hapa anenda Chibamba, Muteba. Anatoka hapa anenda Matisengeti, Sala Nongu. Anatoka hapa anenda ti frontier, Gilon. Na ifo kurekometra, bakimbangisi kwa organize. Jose na kama anatoka, par exemple, mfulo. Ba mama, ba na mubeba, ba nafika ta mwini njuu. Fashi ya maibu nini? Ba nachi. Ba mama bengine ba nabeba bitu. Ba nakua nabu kama ni mwini memu. Ba na mwachi. Ba mwini memu, ba nakua tipa masi. Ba pa masi, tipa nyumba. Pale kama kwa nakuya, ma mankalanga, manini. Sasa nukoka mwanamuke wanguvu, atengia msoko, le sansoko kwa hapa. Ana ujishi, ana bebe na franga inaingia mkesi ya ba mama mwilu. Alors tunasema Saint-Esprit imetushaka kusema tuishe ikanisa. Nijuu ya nini? Jibu ni moya. Kama uku naomba Mungu, utakuwa na mapendo au utakuwa na injustice. Ni ile mapendo
Mungu anipatia njo nilisema tuishe ekalu yetu ya Eglise Kimbangiste. Ce bijou qui témoigne le dogme de cette église est installé dans l'enceinte de l'ancienne prison centrale de Sandoa où Simon Kimbangu a eu à passer quelques mois d'incarcération sous décision de l'autorité coloniale. Tout qu'on a fera kwa kupatana sisi wote hapa kwa sababu ya jambo hii sisi wote tunafahamu. Paka vile tulisema jana kuzambe malamu, kitu kia kwanza ni kurudisha heshima na sifa kwa Mungu, ule anayetupatia uzima kusudi sisi tuishi. Na asante ya pili ni kumurudishia yeye mama Son Excellence kwa ile roho anayokuwa nayo kwa kuweza kututengenezea mahekalu ya Mungu. Sisi wote ni washuhuda, wakati mama alikuwa mkonje parlementaire 2022, ilikuwa ni mwezi ya kumi, wakati tulianza kuzunguka huku na kule, mulitupokelea pa hii kanisa. Ninajua majengo mulikuwa mwisha kuyanza, mulifika wakati moja hivi mulikuwa bite kudifikilite ya majengo. Ni kule sawa vile yeye mama wa roho mwema mwenye mapendo kadhalika, ni kule alisema tangia leo hii kanisa kazi mliotumika inakuwa mengi, mnakuwa bite ku difficulty fulani, msijenge tena, mimi nabeba en charge na tutaendelea majengo. Wakati alilaka ilikuwa ni mdizie mwa tukapanda pale Lubumbashi kuuza ya kufanya nayo kazi. Majengo tulianza mwezi ya janvier 2023. Nikule tulikontinue na kazi. Kazi iko mzuri paka vile mnaona. Kama tutaweza kuantisipe, wazazi wengi waliweza kutusaidia kwa kutuuzisha buchanga, kwa kutuzisha maibwe, na wakomersa wengine kwa sababu ya kutuzisha sima. Ilikuwa ni kazi ya nguvu sana, na tunamshukuru Mungu, tunamshukuru tena Excellence, kwa sababu kwa hii mwaka, sijui kama kutakuwa mtu atanikontredire, parapori ya makazi yote tunayotenda, ilikuwa sani mantreprise, inatoshako bubanditisme mundani ya teritwari yetu. Kwa watoto wengi wale walipasha kufanya ubaguzi, walipasha kufanya bitu ya sipo stahili, walijiretruve mukariere, walijiretruve kukutosha maibwe, walijiretruve kuwa baed maso na walipata feza. Na ninajua kusema ilikuwa saa entreprise munene hii tunayotumika. Ninajua wazazi wengi murantre ya kesho tu, kuko wengine jenpansi pake wanakosa ma furniture scolaire kwa sababu ya kazi tunatenda hapa ili mama Excellence aliweza kutupatia. Le pasteur titulaire a profité de l'occasion pour rappeler à son hôte les bénédictions qu'elle s'attire en concrétisant cette œuvre et montrer combien l'église kimbangiste en général est fière d'elle en insistant sur les paroles de Papa Simon Kimbangu. Quiconque construira une chapelle même de 2 mètres carrés ne sera jamais oublié. Madame le ministre d'État, ministre du portefeuille, nous sommes sans ignorer que cette inspiration qui vous a poussé à réaliser toutes ces œuvres ne vient pas de vous-même ni des hommes, mais elle vient de l'éternel Dieu. Les fidèles kimbangistes de Sandoa vous réintègrent une fois de plus leur reconnaissance et vous promettent de vous accompagner dans vos lourdes charges. Que l'éternel Dieu vous bénisse à jamais et qu'il vous soutienne le long de toutes vos activités. We'll be right back.
défilé a été occasionné avec les mamans kimbanguistes. Une œuvre de dur labeur, Dieu a fait en sorte qu'aucun incident majeur ne soit enregistré malgré plusieurs tours de camions, de matériel, de construction sur le tronçon Kolezi-Sandoa, long de plus de 400 km. Ce temple a une capacité estimée à plus de 1500 fidèles. Tangwango yango yo ekoki tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oyeye.